Bien salut à tous et à toutes, c'est les Psychotwins et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Daisy. Alors vous allez me dire mais what the fuck, c'est quoi cet équipement? Tu t'es fait tuer entre temps quand tu tournais l'épisode, etc., etc. Non, on est sur une nouvelle map, sur un serveur privé, sur un serveur voilà que j'ai trouvé et regardez-moi ça. On est sur la map Fallujah, je sais pas si je le prononce correctement. C'est une nouvelle map que je viens de découvrir et voilà, je vous la fais découvrir. Et j'ai eu la chance de enfin trouver une map après 4 écoles et 3 épiceries de visiter. Et voilà la map. Et vous allez me dire, what the fuck is that shit, bitch? C'est une ville géante avec un airfield ici et là ça va être mon objectif. J'ai croisé un mec en hélico, il a pas voulu me prendre. Malheureusement parce qu'il devait prendre un mec, donc là j'ai la chance aussi d'avoir trouvé une voiture, donc en très bon état, hein. Normalement elle était toute verte, mais c'est pas grave. Donc j'espère s'il vous plaît que ça met, oui, ça met où c'est. Donc je vais aller à l'airfield parce qu'apparemment il y a l'air d'avoir du monde et c'est un serveur PVE. Alors je sais pas, voilà, je vous fais un peu découvrir la map. C'est une ville géante en fait, j'arrivais pas à m'y retrouver. Maintenant je comprends mieux pourquoi ça j'étais dans ce merdier en fait. Donc je vous fais découvrir la map, voilà. C'était sur le serveur où je suis d'habitude, la DZN Nation. DZN serveur. Et ils ont changé la map et j'ai dit, bah, putain, c'est quoi cette map de merde? Enfin, j'ai dit, bah, je vais aller y aller autant qu'à faire, hein, c'est le serveur où je suis. J'y vais. Et je découvre une map, mais monstrueuse. Et franchement, elle est kiffante, hein. Elle est kiffante. On marche pendant un moment pour atteindre la ville, mais une fois qu'on y est, on se fait du stuff rapidement. Donc, vous voyez, c'est vraiment une ville géante. Et waouh wow, quoi. Donc là, j'ai pas mal de loot, hein. J'ai beaucoup de bouffe. J'ai perdu pas mal de sang, malheureusement, mais j'ai essayé de me refaire. Aussi, j'ai une tente, j'ai un engine part, etc., etc. Et je voulais aller voir le mec en hélico, parce qu'il a dit qu'il pourrait me prendre. Mais qu'avant, il avait un ami à aller prendre, donc je vais aller voir. Il m'a dit qu'il allait à l'airfield. Je vais essayer d'aller les rejoindre. En espérant ne pas me faire buter, donc je vous fais découvrir quand même cette map, hein, qui est... On dirait que sur la map, elle est petite, mais en vrai, elle est vraiment immense. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc je pense que vous aurez soit deux vidéos avec une vidéo de Arma, une vidéo du playthrough et cette vidéo. Donc en plus des deux vidéos, vous en aurez trois, donc. Donc ce week-end, vous serez sûrement gâtés. Ou alors, c'est une vidéo qui sera en réserve, comme ça. Donc je tourne totalement à l'improviste. À mon avis, je pensais vraiment trouver une immense map en ouvrant la map. Et dire, what the fuck, c'est un grand désert et tout. Et ben en fait, non, pas du tout. On découvre vraiment une petite map, mais une ville, mais monumentale. Ah putain, j'ai été éjecté. Désolé les gens. Donc re tout le monde, donc je ne crois que ça ne filmait pas pendant un court instant. Donc c'est pas grave, vous avez rien loupé. Je crois que voilà, il y a un hélico qui est crashé là. Un vrai. Et là, on a un hélico crash. Et je crois qu'il y a du loot. Je crois. J'ai un Enfield. Hein. J'ai pas une super arme. Oh, putain, attendez. Alors là, on va faire la méthode wipeout. Hein, j'ai envie de dire. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une arme? Pas l'air. Hein. Ah, il y a du médic. Il y a du médic. Il n'y a pas l'air d'avoir d'arme, malheureusement pour moi. Ah si, attendez. Je vois quelque chose. C'est une M16. Non, c'est une FN Fall. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il me le faut. Ouais, il me le faut. Donc écoutez, je vais essayer d'échapper les zombies. Et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Si j'arrive à les faucher. Voilà, attendez, je vais essayer de les faucher. Ou dérapage contrôlé. Ouais, on va les faucher, on va bien s'amuser les gens. Bim, 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 allez, bim. Je fouillerai les pilotes aussi au cas où je trouverai une JVN. Ça serait vraiment sympathique. Voilà, crève, allez, on crève, s'il vous plaît, mourez. Voilà, c'est une méthode rapide, c'est une méthode comme une autre. J'ai pas envie de me faire chier à bousiller des munitions alors que j'ai une voiture et un moyen rapide de les tuer. Donc voilà, si vous connaissez pas la technique, je vous la donne, c'est gratuit. Les pilotes, oh, toi tu as quelque chose mon ami, un painkiller, malheureusement tu n'as pas de JVN, toi tu vas crever, voilà, alors toi, est-ce que tu as une JVN? Non, les pilotes, toi tu as l'air d'avoir quelque chose, non, DMR, non, et pas de JVN malheureusement, donc alors attendez, oh, il y a une vache, oh j'ai besoin de sang en plus, oh là là, c'est parfait les gens. Les gens, c'est parfait, c'est parfait.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un chargeur de G17. Il me semble que l'AFN était de l'autre côté. Oui, on a bel et bien une FN FAL. Avec malheureusement qu'un seul chargeur, mais bon, j'ai qu'un seul chargeur de Enfield. Donc, je vais la prendre. Alors, aussi, méthode pour voir s'il n'y a pas quelque chose dessous. Non, malheureusement, il n'y a rien. Je vais tuer la vache, je regarde le médic aussi. Ça peut éventuellement... Oh, j'ai de la morphine, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais tuer la vache. Putain, elle se barre la salope. Alors attends, tu vas pas t'en tirer comme ça, Makai. Donc non seulement je vais te défoncer l'anus, mais en plus je vais te dépiauter, je vais te bouffer ta viande et je vais te violer ton cadavre. Voilà, ça c'est dit. Donc violer son cadavre, c'est pas sûr, mais... On va faire de notre mieux. Allez, bon, c'est une vache laitière. T'as pris cher, hein, ma salope. Je coupe toujours le moteur, question de principe. Alors, je peux pas la... Pourtant j'ai bien le... Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah voilà, gut animal, matériel. Ah, je suis content les gens, j'ai trouvé une FN FAL, là je suis bien équipé malgré que j'ai qu'un seul chargeur. C'est le seul souci que je risque de d'avoir. Alors attendez, je vais prendre le maximum de viande. Dites-moi que j'ai assez de place. Oui, je peux tout prendre. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à trouver une forêt assez grande pour pouvoir prendre du bois et faire cuire tout ça. Et reprendre ma vie parce que là, j'ai pas beaucoup de vie, comme vous allez voir. Voilà, j'ai que 6200 et c'est vraiment pas beaucoup. Donc si je peux trouver du bois, ça serait vraiment cool. Hein, parce que là, faut vraiment que je récupère de la vie. Sur toutes les couleurs, là, vous voyez pas grand-chose. Alors attendez, ça m'intrigue. Est-ce que c'est vraiment un hélico? Un vrai hélico crashé? Ou alors est-ce que c'est une simple épave normale, etc. Non, je crois que c'est un... Oh, c'est un avion! C'est un... Les gens, c'est un avion crashé. Je sais que ce genre d'avion existe. What the fuck? On peut pas mettre... Non, on peut pas fouiller le matériel. Je crois que... Soit c'est une épave, mais je crois que cet avion existe. Alors, est-ce qu'ils l'ont rajouté sur cette map? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, cet avion existe, je le sais. Il y a... Non, j'ai cru que c'était une voiture à réparer, mais non, malheureusement. Donc j'ai une roue et un engine, donc si je peux trouver une voiture mieux que celle que j'ai, franchement c'est immense quoi. C'est à perte de vue quoi. C'est un truc de malade cette map. Elle me plaît, hein. Pourtant j'aime pas les maps trop grandes où il n'y a rien comme ça, il n'y a que des petits trucs. Mais cette map, voilà, je la trouve sympa. Bon, aussi j'ai un véhicule, hein. Vous allez me dire c'est beaucoup plus rapide comme ça. Mais voilà, là, je la trouve sympathique, donc j'aime faire, j'espère que je vais pas encore me faire virer. Hein, parce que ce serait un peu relou. Mais bon, écoutez, voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça vous plaît en tout cas. Là, j'ai assez. J'ai pas mal de chance. C'est quoi ça? Non, à chaque fois, je crois, mais non, en fait. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça vous plaira, cette petite découverte de map. Alors, ça sera upload sans doute avec toutes les maps, quoi. Avec tous les épisodes, etc., etc. Je regarde un petit peu autour de moi si on peut pas trouver un joueur. Que moi j'essaie d'être friendly, c'est un serveur PV. Oh, Will Airfield! Oh, je jouais! Ah oui, enfin! Enfin, bon, j'ai une FN, mais j'aimerais bien trouver meilleur parce que ayant qu'un seul chargeur, ça risque d'être short. Oups là là, les gens. Donc, ne vous inquiétez pas, rien d'alarmant, mais je sais que déjà il y a du monde, puisque vous pouvez voir, je vous ai appris, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il y a des zombies au loin. Donc, écoutez, je vais parler dans le micro. Je vais demander. Anyone in. Anyone in the last trip? I'm friendly. I come with a car. J'adore mon accent anglais. I can help you. Please don't shoot. I'm in a car. J'ai vu qu'il y avait des mecs. Ça, je sais qu'il y a des mecs. C'est sûr à 100%. Donc j'ai cru que c'était un hélico. I'm in a Shepherd flying over now. I'm in a car. Where are you? You are in the last trip? Can you help me? Oh les gens! In the chopper, anyone in the chopper? Yes, I see you. I turn a video for YouTube. Yeah, you will be able to. Yes, sorry, I'm French. Sorry for my bad English. But you can be on YouTube. But just, I take my tent. I have an engine part if you want. I don't need it. Don't need it? Okay. I arrived. Thank you much. Thank you so much. Donc les gens, on a vraiment beaucoup de chance.
Là, je tombe sur un mec en hélico, quoi. Don't take priority. No, no, don't worry. Don't kill me, please. Thank you. Very thanks. Mitrailleuse porte. Voilà. Where you wanna go? I don't know. I need a gun, a big, a good gun. I have a FN4, but one charge. I have just one charge. Okay. Fly on the map to. We can find a crash helicopter. Yes, yes. I found in the crash helicopter, okay. But low ammo. Please, for YouTube, can you fly on the map to see about the sky? Sorry, I'm bad in English. It's okay. Thank you, man. No problem. Là, franchement, les gens, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, désolé pour mon anglais pourri. Là, je sais que j'ai un anglais de merde. Donc là, si vous avez pas compris ce que j'ai dit, on va essayer de voir la map vue du ciel et aussi de voir s'il y a des hélico crash pour trouver une bonne arme. Certes, la FN-FAL est très bien, elle fait un bruit monumental par contre. Et aussi, j'ai pas beaucoup de balles, voilà. Donc, I need a blood transfusion. I have just 1000 blood. I have blood, but I need a person to do this. Next, okay. Next. It's not really important, but I need just. La map est vraiment grande. J'aimerais bien qu'il survole la ville, en fait. C'était ce que je voulais lui demander. Oh my god, my friend is so stupid. Ok, alors attendez, je vais me mettre. Alors là, on voit qui où. La map est vraiment immense. Helico crash site here. I visit it, I find the FN here. Okay. There is the medical loot, but not other loot. Okay. J'aimerais bien qu'il survole la ville pour montrer un petit peu. J'espère que je vais pas être éjecté. Tu peux changer de canal? Ah, pardon. Je vais changer de canal parce qu'il y a un français qui a parlé. C'est pas grave. Alors là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment. Ah putain, la vue est vraiment chiante. Alors attends. Je sais pas ce que c'est ça, ces bâtiments. Vous voyez, il y a un peu des bâtiments éparpillés de partout, il y a des écoles, etc. C'est vraiment sympathique, mais faut être patient et savoir marcher sur cette map. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'aimerais bien qu'il survole la ville. Ça serait vraiment super. Putain, le mec il a dû se faire chier pour trouver l'hélico tout réparé. Parce que c'est vraiment pas évident sur une map aussi grande comme ça. J'espère qu'on va trouver. En fait, là, je pense qu'on est dans le désert. Et dans le désert, on peut trouver beaucoup d'hélico crash. C'est plutôt sympathique. Donc là, cette partie de la map, je l'ai pas du tout visité. Je sais même pas du tout où on est. J'ai la boussole. Là, on va au nord-est. Au nord. Oh, vos gueules, je tourne une vidéo. Merde. Hélico crash sit here. Please kill the zombie in the chopper with gun. Yeah. Thanks. Pff, oh les gens, on a de la chance aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. D'habitude, j'ai pas de bol. Je pète toujours mes véhicules. Je meurs toujours. Je me fais toujours sniper. Et là, j'ai de la chance apparemment. Peut-être qu'un jour, ce mec verra la vidéo et je le remercie fortement de m'avoir aidé. C'est vraiment sympa à lui. Donc bah s'il voit thanks for you hein, merci à toi. Bon, ça m'étonnerait qu'il voie un jour cette vidéo, mais bon, on sait jamais hein. I'm back. Merde. J'essaie de pas trop me mettre devant. C'est pas s'il y a du loot. Il est mauvais. Bute là. Thank you guys. 5 minutes to see the loot and I come back. Je vais regarder aussi. Oh, il y a une arme là. Un bison. Je prends, écoutez. Bison. J'ai plus de chargeurs. Oh, j'ai laissé quoi? Ah, j'ai pas assez de place. C'est pas grave, je vais laisser de la viande. Je vais prendre tous les chargeurs. Ici, on a rien. Ah, on a encore une falle.
Écoutez, je vais prendre le bison parce que je le trouve un petit peu mieux. Il a beaucoup plus de balles dans le chargeur et sachant que j'en ai 3, j'en ai pas mal, voilà. Donc là, c'est plutôt positif. Je vais fouiller les 2 minutes. Une grenade fumigène. Il n'y a pas de JVN. Putain, d'habitude, on en trouve des pas mal. Non. Il n'y a pas d'autres. Merde. Ok, I come back. Thanks, I found a gun. With more ammo. Thank you, guys. Oula, il y a des lags, là. Ah, ouais, d'accord, faut qu'ils descendent, en fait. Thank you, guys. Thank you. I found a gun. But, I can't find more, I think. Can you fly on the city, please? To see the biggest city? Le mec est vraiment sympa, hein, il fait tout ce que je lui demande. Tu es mon chien. Bien, non merci, non, franchement des mecs comme ça on n'en trouve pas tous les jours et je le remercie vraiment. S'il voit un jour cette vidéo, désolé il y a quelques petits lags mais avec frappe c'est quoi ça? Je ne sais pas. Et je m'en branle. Putain franchement la map est immense, c'est incroyable quoi, tout ce qu'on peut, tout ce qu'il peut y avoir. Oh là, ça, on nous dirait qu'il y a eu la guerre ici. Hein. Franchement... Waouh, waouh. C'est la première fois que je vais sur une map autre que Tchernarus, à part Utes bien sûr, qui est une map PVP que j'aime bien aller dessus de temps en temps pour me défouler, hein, pour me défouler de ma journée de merde. Et bah là, c'est la première fois, j'ai dit tiens, allez, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Et puis elle m'a plu, voilà, j'ai eu de la chance de trouver une voiture assez rapidement. Merde, j'ai oublié de prendre la tente, bon, c'est pas grave. De toute façon, pour faire une... pour faire un camp, et... Oh, oh my god. Oh god. Oh putain de merde les gens. Oh mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, ce truc de fou. Ah, je pense que vous reconnaissez quelques bâtiments, notamment les immeubles en dessous. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais c'est quoi ce truc de fou? J'ai même pas visité la moitié. Oh my godness. Oh, it's so beautiful and so big. Oh mon dieu. Waouh, waouh quoi. Waouh, franchement les gens, j'espère que vous appréciez la vidéo. Waouh, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. Oh là là. Franchement, ouais quand même hein. Mais regardez tous les bâtiments quoi, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de taré. C'est un serveur villager, c'est un serveur privé. Oh, oh mon dieu quoi, désolé je suis un peu sous le choc. Warning, warning, you have a... Désolé je parle, j'ai un anglais de merde hein, je sais. Pourtant c'est... voilà quoi. Voilà, ça va, le mec gère hein. Il sait bien se poser et tout. Donc là c'est pas un hélico qu'on trouve sur Tchernarus. C'est un hélico qu'on peut trouver... ah oui, il avait... C'est un hélico qu'on peut trouver sur Arma. Mais là sur... Those red apartments over there always spawned a good loot in all of them, so... Qu'est-ce qu'il dit? This is a good drop off point. Ouais, il dit en fait qu'il y a de bons loot qu'on peut trouver là-dedans. Bah je le crois, hein, parce que là c'est une station service, on peut trouver des engines, etc. Donc là c'est plutôt... I'm just gonna pick up a friend along. Ah no! Wait me, please! Wait me, please! Thanks. Thanks, sorry. Oh putain les gens, j'ai eu chaud. Sorry. Thanks. Oh putain, j'ai eu chaud. Ah, j'ai cru qu'il allait repartir sans moi. Ouh, coup de stress. C'est pas un putain, mais cette vue. Oh, c'est vraiment un truc de fou quoi. C'est un truc de malade. Ils ont... N'empêche, ceux qui ont fait ça, ils ont fait un travail de malade. Et total respect. Hein. Bon, on trouve un peu le même schéma de bâtiment un peu partout. Mais putain, franchement, c'est immense quoi.
Puis tous les bâtiments qu'on doit pouvoir visiter, je sais qu'on peut pas tous les visiter. Oh, il y a une industrie là, une factory. Bâtiment très convoité pour réparer des véhicules, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'il a dû se faire plaisir en allant dans ce genre de... Oula, là ça a du mal à charger le pont. On voit au moins comment il a été modélisé. Donc là on va dans les spawns. Hein. Faut savoir que j'ai respawn. Oh, pardon. Faut savoir que j'ai respawn pas très loin d'ici, sur une côte comme ça. Et voilà, c'est en général sur les côtes qu'on respawn. Hein. Wow, franchement, wow. C'est vraiment un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà. Je sais pas quand je vais arrêter la vidéo, mais j'ai pas envie d'arrêter. Voilà, quoi. Ok guys. Ouais, il dit que son pote est ici. Hein. Oh, franchement, mais... Ah ouais, d'accord, il est mort, en fait. He's dead. No, he's not ah, il dead. Est dans les vapes, à mon avis. Ah non, he's not dead. Non, il est pas mort. Oh, lag. Hello. Hello. Merde, pas mort. Putain, eh ben non, ça en fait du monde. Moi je veux mitrailler ce porte, rien à foutre. Oh là, ça lag. Chef d'équipe, voilà. Eh ben, et les gens, que l'émotion aujourd'hui. Hein. Sorry, he's not dead. Je sais pas si vous les entendez, mais moi... Où est-ce qu'on va maintenant? Je pense qu'on va aller à l'airfield, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Alors attendez, je vais baisser peut-être le son du jeu, parce que c'est un petit peu fort pour vous peut-être. Enfin moi j'entends beaucoup le bruit de l'hélico. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Putain, oh là, regardez-moi ça. Putain, c'est la map la plus what the fuck que j'ai jamais vue. Autant les autres maps, je les ai vues en vidéo et tout ça, je les ai pas trouvées forcément intéressantes. Surtout Takistan, qui pour moi est une map totalement useless, mais bon. Voilà, quoi. Et, oh, c'est quoi ce bruit? Wow! Ah, mais d'accord, c'est lui qui tire, en fait. Il tire des roquettes. J'ai eu peur. Ouais, voilà, quoi. Waouh, waouh. Un truc de fou. Un truc tout simplement de fou. Phew. Le mec a été sympa, hein. Il m'a pas... Parce qu'en fait quand j'étais à une épicerie, je l'ai vu. Oh là il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un par ici. Parce que les zombies ne spawnent pas aussi vite. Alors il va prendre peut-être un ami, je sais pas. Ah donc ce mec je l'ai vu passer au-dessus de l'épicerie, je lui ai demandé, il pouvait pas. Oh qu'est-ce qu'il fout? Non il va pas se poser sur le toit, il est pas aussi fou que ça. Ok here, I go. You are crazy man. Nice. Putain, ils veulent crasher, je le sens, ça va mal finir pour nous tous, là. Et j'ai pas envie de perdre mon stuff, qui est plutôt assez bon. Ouf, ouïouïouïouïouï. Ah oui, d'accord, c'est pour lui trouver du stuff. This is a drop of part. Ok, ok, I understand. En fait, il le dépose pour qu'il puisse prendre du loot, en fait. Bon, écoutez, je vais tirer. But all of these red apartments, it will spawn loot in, so this is a good drop. Yes, I know, but I don't need anything. I have food, I have drink. Oh, I'm okay. Full. I have a Alice pack. Just a good gun. I love the helicopter, so I think. Yeah, me too. Donc ouais, je lui dis que j'ai besoin de rien, pour ceux qui sont nuls en anglais, j'ai besoin de rien on va continuer à voler, à survoler un petit peu la map. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck happened? Whoa, whoa, fucking what the acre. Fuck? What the fuck is that shit? Oh les gens, on vient d'être TP. What the fuck? Hacker? Cheater? But I don't know. Anything here? Maybe. What the fuck? We have good chance know. To... Yeah, well... We have chance, hein? Zero damage on this
Helico. But what the fuck? Oh, there is another chopper here. Yeah, I can see it. Please, let me see this. Wait me, please. There is a little bush crash here. Please wait me. Ah, mais il va m'attendre de toute façon. Putain. Oh, c'est des zombies, j'ai eu peur. Pilote. Oh, just an engine. Yeah. Just an engine. Il y a un cadavre. Just an engine. It lost just an engine and fuel. And it's okay. Écoutez, je crois qu'on va essayer de le réparer. Je crois qu'on va essayer. We repair this? Or we continue with this helicopter? J'ai bien envie d'essayer de le réparer, hein, ce truc. Wow, ça lag. What do you want to do? Do you have an engine or a fuel tank? No, not fuel tank, jerrycan? No? No. I have flies. There is a die. There is a people who die here. Bon, s'il y avait un sniper, il nous aurait tué depuis longtemps, je pense. Please wait 5 seconds. I want to find an engine in this room là. Je parle en franglais là, il doit rien comprendre le pauvre. Yes. Just a fuel tank. No, not fuel tank. Sorry. Jerry can and an engine. Oh, there is an engine here. So good. But I'm full. Can you take it? I kill. Can you give me a blood transfusion, please? Thanks. I would love to do that. I have a blood transfusion if you want. Attends, je vais lui en poser une. Ah, voilà. Ah, thanks. Okay. Nice, man. Oh, color! I see color, yes! So beautiful! Oh, manger! Voilà. Il est parti où, mon copain? Ah, il est là. Need just a jerrycan and it's okay. There is a... I don't know where can we find this. Faudrait chercher, faudrait qu'on cherche un petit peu. Oh là-bas, je pense qu'on pourrait trouver. Please wait here. I think I can find the jerrycan in this room here. Oh wait, just there's like I have to eat dinner, so... Oh shit. I gotta go. So I'll just drop you the engine part here. Okay, thanks. Okay, thanks. Thanks, man. So I'll just hide my shepherd, so... See you later, and thanks. Bon, malheureusement, il doit partir dîner. Je vais essayer de réparer le mien. Celui qui est ici. Donc je vais abandonner de la bouffe. Ah, mais attendez, dans mon sac, j'ai... Non, j'ai plus de place. Close bag. Abandonner. Putain, ça prend 6 places cette merde. Hein. Abandonner. Je vais le prendre. Je vais le réparer, puis je vais reprendre mes loots, et puis je vais voir si je peux. Putain. Fuck. Bon, alors pour réparer, c'est autre chose. Je n'ai pas de toolbox, mais c'est tout à fait possible, je crois, de réparer sans toolbox. Ouais, désolé, je gaspille les munitions, mais fuck it. Hein.
Alors attendez, je sais pas si j'ai besoin d'une toolbox en fait pour réparer. J'ai réparé ma voiture sans aucun souci. Et... pilote. En fait, je pourrais décoller sans engine, mais il faudrait juste un fuel tank. Je vais aller voir là-bas s'il n'y en a pas un. Et putain, faudra que je reprenne mes loot là, parce que ça fait pas discret de laisser ça là. Puis surtout que, désolé les gens si l'épisode dure longtemps, mais waouh, c'est totalement épique là. Donc faut vraiment que je continue, j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Donc écoutez, là-bas je peux trouver des trucs, là je peux trouver des trucs, je peux en trouver un peu de partout. Des jerrycans, il m'en faudrait juste un et je ferai des allers-retours, ça serait parfait. Mais voilà quoi, il faut encore l'avoir. Et puis malheureusement je crois pas que j'ai de la place, donc je sais pas, il faudrait que je fasse de la place dans mon sac. Donc vous inquiétez pas les gens, je vais me démerder. Au pire je coupe la vidéo ici et quand je l'ai réparé, bah je vous le dis, quand il est plein, au pire je vous le dis. Mais là, franchement, je peux pas arrêter maintenant quoi. Là il peut y avoir un jerrycan ici, peut... Oh mais regardez, il y a plein d'hélicos là-bas. À mon avis le mien est en meilleur état je pense. Oh, il y en a un jerrycan les gens. Il y a un jerrycan. Oh oui, je suis content là. Oh là là. Putain. Que de bon. Alors attendez. Première chose. Voilà. Voilà. Alors attendez. Je vais poser de la bouffe, du soda. Voilà. Ah mais merde. Faut que je pose d'autres trucs. Un peu de viande. Ça. Et puis ça. Ça me fait 6 places. Donc je peux transférer l'engine. Open. Voilà. C'est compliqué cette histoire. Hein. Connard. Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais remettre? Ah bah je peux reprendre des trucs évidemment. Tac. Par contre j'ai perdu des trucs j'ai l'impression. Ou c'est moi? Bon écoutez c'est pas grave, je veux trop envie de faire... Ah d'accord ils sont là. Non. C'est pas grave, j'ai perdu des trucs mais c'est pas grave. J'en aurais pas besoin, de toute façon je suis full en vie, je suis full en bouffe, etc etc. Donc là les gens, ça commence à devenir épique. Faudrait que je le remplisse un petit peu. Et après que j'aille juste à côté pour faire juste des petits allers-retours. Parce que là je vais devoir courir un petit peu. J'espère que je ne vais pas me faire buter ou spot par d'autres gens malfaisants. Par contre ce qui m'embête un peu c'est l'engine quoi. J'ai pas forcément besoin de le réparer. Mais j'ai préféré le réparer et je suis pas arrivé à le réparer tout à l'heure. Donc écoutez, on va essayer. Là je vais remplir jerrycan. Je vais remplir tout ça, je vais faire des allers-retours. Et puis je crois qu'on va se retrouver quand j'aurai tout réparé, tout mis à neuf. Allez à tout à l'heure. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu retourner sur le serveur parce qu'il y a eu un reboot. Et malheureusement, ils ont remis la nouvelle, enfin, la map Tchernarus. Donc, du coup, je n'ai pas pu y retourner. Donc, vous m'excuserez, hein, mais bon, vous aurez pu voir, je pense, Fallujah vu du ciel. C'est franchement quelque chose d'énorme. C'est le cas de le dire. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.